Good morning. It's my pleasure to welcome you all to the General Assembly of Rhodesia. For the last almost 40 years, we have consistently developed this institution from strength to strength. One of the most important instruments of our governance is the General Assembly, in which our membership is represented from all the different regions on the continent, where we select our leadership periodically. It is said that Rhodesia is one of the most democratic institutions on the continent, and we intend to continue this agenda of consistently showing the way by renewal of leadership. So this is one of the important functions of our assembly today, this week. We are also here to exchange the results of the work that we have been doing, research over the last few years in Rhodesia and outside. Over almost 1,000 people sought to attend this General Assembly. Unfortunately, we could only have 350 speakers. But we're glad that this continued and growing interest in the building of our community of African scholars. I welcome you all and wish you a very successful General Assembly. You will know that today we are opening the entire assembly with keynote speeches this morning. And until Thursday, we will focus on the presentation of various articles, and roundtables. We have a very busy schedule with many parallel sessions and then plenary sessions. On the fifth day, we will conduct the administrative business of the Council, in which we will review the progress in the last 2 days and give direction to the next executive committee. So thank you, everybody, for making this General Assembly. I want to welcome also, besides our scholars, professional community, the representatives of the host, our host institutions and government. We are very happy that after some years we have been rotating the holding of our General Assembly the various regions of the country. We're very happy that we have now been able to come to North Africa, in Morocco in particular. We're thankful for the facilitation that they have given us, dealing with the government, in terms of the visa travel. I will speak more about the support, the material support they have provided. Thank you. We're thankful. It's of course an auspicious period for us to be holding the General Assembly in Morocco. The entire region for the last year has experienced tremendous mobilization of social action from the ground, seeking to change at the very least the democratic institution and practice, and seeking change that will promote the upliftment of our society, the continent in general. We will have occasion to learn more about this experience and to compare this with other experiences of the continent that we are. So we're very happy to be in the region and look forward to hearing more.
the minister, Mr. Nazar. Thank you very much. His Excellency, the mayor also, Fatahala Waladu, thank you, right? Should be here any moment. I also want to recognize the presence of two vice chancellors. We are very good fortune of the two of the main universities collaborating with the Institute of African Affairs, mobilized participation from the country and in the region. We're very grateful to have the vice chancellors here, Professor Wail Kelgalun and Professor Pris Wami. My Arabic is solid improving. Now I also want to recognize and thank very much the team on the ground, our host team of the African Institute and the Institute of African Studies. They are Abu Yafara, where are you? Thank you very much, thank you very much. This has been our man on the spot, very diligent team. This is a big logistical nightmare to organize such a huge general assembly. And thank you very much for all the support. I shall come back to say to also later thank the Deputy Secretary for their help. In the meantime, I want to recognize the past leadership of the Council. We have a number of them here. Madam President, then Teresa, the President. I see Tobiano also. Welcome. We also have, coming a bit later, Samir Amin. We also have some of our executive secretaries. Recent past, Bio, Oga, where is Bio? Good question. Oga, where are you there, bro? Welcome, welcome. I also want to recognize Talika Kandawir. Yes, someone in the corner there. Yes. Thank you very much for coming on board. Support of the intellectual African intellectual community, plus Africa, the African Union, Halim Foundation, as always, CIWAN, IDRC, Danida Fellowship Center. Thank you very much for the people who have provided basic support. Now, in addition to this, we have had quite a substantial amount of support from Moroccan institutions. The railway company is providing some subsidized goods. I hope most of you manage to get your time. Air Morocco, Air Morocco has also subsidized tickets. The Institute of the School of Engineering has provided a free facility, the basic the building and so forth. And the other to the support, logistical support. I want to thank them for all the assistance. We also have some new types of support. I'd like the other governments to take note of this. The Angolan government is sponsored to get to solid. Please take note, Mr. Minister. Ambassadors from Senegal and so forth, please take note. And our former executive committee member, who is now a minister in Congo, Dr. Henry Osedi, I want to recommend you and also ask you to take note. You should give back now. Now that he is in real power, much more than in the executive committee, he should exercise his influence amongst his colleagues.
support the African project. Now, other institutions like UNISA, universities, research institutions, jobs, have also paid for a substantial number of scholars to come. The honorees, even from Algeria, from the university there, we have a large number that have been sponsored from within the University of Algeria. This is the self-reliance that we are pleased to achieve. And we thank you all for that support. I want to also, you may know that, notice that on the in our program, we have many of our counterpart institutions from Latin America, CLACSO, from European Ages, African Studies, across the world, from China, we're happy to have delegation from China. A number of counterpart institutions that also have sponsored panels, roundtables. We're pleased that the idea that African scholarship, the center of exchanges, should be in the continent under the leadership of Babesia is demonstrated by the presence of all these institutions that seek to engage with our community on our own soil. Thank you very much also, all of you. Thank you so much and so forth. So, having said that, we can now proceed to our activities as planned. And I'd like to now ask the Minister of Social Affairs to give us the opening. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un réel plaisir d'ouvrir à vos côtés les travaux du 13e Congrès et de la 13e Assemblée Générale du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Le Maroc est particulièrement fier aujourd'hui d'accueillir à Rabat un des événements scientifiques majeurs du continent africain. Un événement exceptionnel qui réunit plusieurs centaines d'universitaires et de chercheurs des cinq sous-régions de notre continent, des États insulaires et de la diaspora, ainsi que d'autres continents autour d'une thématique clé, à savoir l'Afrique face aux défis du XXIe siècle. Le plaisir est d'autant plus grand que votre Assemblée générale célèbre le 50e anniversaire d'un événement à maintes égards mémorable, en l'occurrence la conférence de Casablanca, qui, à l'invitation de feu Sa Majesté Mohamed V, posa en 1961, en présence de Kwame Nkrumah du Ghana, de Julius Nyerere en Zambie, de Gamal Abdel Nasser d'Égypte, de Sékou Touré, Guinée, de Mobutu Keïta, Mali et de Fahd Tembès, Algérie, les premiers jalons qui mèneront à la naissance en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine. Monsieur le Président, le Maroc, auquel vous rendez visite aujourd'hui, est un pays qui connaît des développements très importants. Un vieux pays, une vieille nation, fondée sur des institutions multiséculaires, où règne un islam de modération et de tolérance, attaché à son unité et à son intégrité territoriale. Un pays qui, plus que jamais, au lendemain de l'adoption d'une nouvelle constitution et d'élections législatives décisives, regarde l'avenir avec confiance et sérénité. Sûr de la validité de ses choix, des choix irréversibles, que sont le choix de la démocratie et des libertés individuelles et collectives, le choix de l'ouverture et de la modernité, le choix du respect des droits de la personne humaine, le choix de l'égalité entre l'homme et la femme, le choix du progrès social et humain, et le choix de l'état des droits. Le Maroc, mesdames et messieurs, est aujourd'hui de son littoral méditerranéen à ses profondeurs sahariennes et de ses franges orientales à sa façade océanique, un immense chantier d'autoroutes, de routes, de nouvelles stations balnéaires, de nouveaux ports, en particulier le port Tanger Méditerranée,
de complexes portuaires et aéroportuaires, de plateformes industrielles intégrées, de parcs technologiques, de pôles offshoring, de connexions électriques et réseaux de télécommunications, de centrales hydroélectriques, thermiques et aussi solaires, de nouvelles lignes et tronçons ferroviaires, notamment le projet de ligne de très grande vitesse Tanger-Casablanca. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, votre rencontre me donne l'occasion de souligner, une fois de plus, s'il le fallait, l'importance que le Maroc, son souverain, son gouvernement et son peuple attachent à leurs relations avec les pays frères et amis du continent africain. Le Maroc, le Maghreb al-Aqsa, a su tisser au fil des siècles, tout au long d'une histoire pluriséculaire, des relations riches et intenses d'ordre politique, religieux, culturel, mais également économique et commercial, avec cette partie du monde à partir de laquelle le royaume puise ses racines et dont il est une partie intégrante. Des liens aujourd'hui consolidés grâce aux nombreuses visites effectuées par notre souverain, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, depuis son accession au trône, à travers le continent. Mauritanie, Sénégal, Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Cameroun, Afrique du Sud, Cap-Vert et d'autres pays encore. Des relations éminemment fécondes sur le plan de l'enseignement et de la formation illustrent la présence au sein des multiples centres, instituts et universités publiques et privées du Royaume de milliers de jeunes Africains, parmi lesquels près de 8000 boursiers du gouvernement marocain. Des relations aujourd'hui fortement renforcées sur le plan économique et commercial, financier par la présence chaque jour plus conséquente d'entreprises et de consortiums marocains sur le continent, investissant dans des secteurs aussi divers que les télécommunications, les mines, la banque, l'assurance et la finance en général, l'immobilier, les infrastructures et la construction, l'eau et l'électricité. Des relations de plus en plus fortes, mesdames et messieurs, qui se sont traduites en octobre 2011 par un appui conséquent de la part de la plupart des pays africains à la candidature de notre pays au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2012-2013. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'occasion m'est aussi donnée aujourd'hui pour souligner l'importance que le Royaume accorde au développement de la recherche scientifique, en particulier au sein de notre système éducatif et de formation, notamment dans le domaine combien riche et fécond des sciences sociales, qu'il s'agisse d'histoire, de géographie, des espaces et des territoires, de droit, de sociologie, d'économie dans les dimensions humaines, sectorielles ou spatiales. Je suis persuadé que votre rencontre sera l'occasion de consolider, d'enrichir, de renforcer et de diversifier la trame déjà dense de vos relations, de tissus d'or et déjà riches, des liens qui vous unissent au service de la connaissance dans l'univers éminemment fécond des sciences sociales au bénéfice des peuples de notre continent. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout en souhaitant un plein succès aux travaux de votre 13e Assemblée Générale, permettez-moi de vous réitérer une chaleureuse et fraternelle bienvenue au Maroc. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Minister. Now, it's my pleasure to welcome the President of the University of Mohammed V, Suisi, Professor Radwan Murabit. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires économiques et générales du Royaume du Maroc. Excellence, Monsieur le Ministre de la Recherche scientifique de la République du Congo. Excellence, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Excellence, Monsieur le Directeur honoraire de l'UNESCO. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Comité exécutif du CODESRIA, Monsieur le Directeur de l'Institut du Sud africain, Monsieur le Secrétaire exécutif du CODESRIA, Mesdames, Messieurs les Présidents d'Université, Doyens, Directeurs des Administrations centrales, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré et heureux de prendre part avec vous à cet important rendez-vous africain qui va traiter des grands défis que doivent relever les pays africains durant ce 21e siècle.
En tant qu'université, nous avons une responsabilité énorme dans la réflexion et la proposition d'idées, de méthodes de travail et aussi des solutions qui seront mises à la disposition des décideurs à tous les niveaux. L'Université Mohamed V Suisse a travaillé ces derniers mois en étroite collaboration avec la direction du CODESCIA pour l'organisation de son rendez-vous, avec, en particulier avec M. Ibrahim Al-Sal. Je remercie vivement pour cela Mme Fatima Al-Harraq et M. Yahya Aboulfarah, qui ont joué un rôle essentiel dans l'organisation de cette manifestation et pour que toutes les délégations soient reçues ici à Rabat. Mes remerciements vont aussi à M. Driss Mouhami, qui n'a ménagé aucun effort pour que l'événement se passe dans de très bonnes conditions au sein de cette école prestigieuse qu'est l'école Mohamedia des ingénieurs. Le CODESCIA, qui a réuni pour la première fois au Maroc, au Maghreb, son assemblée générale, montre encore une fois la place importante qu'occupe le Maghreb et notamment le Maroc dans le continent africain. Et nous avons souhaité, en tant qu'université, le démontrer en organisant demain après-midi, à partir de 14h30, une cérémonie à l'occasion du cinquantenaire de la conférence de Casablanca, qui s'est tenue en janvier 1961, sous la présidence de feu Sa Majesté le Roi Mohamed V, et en présence de Jamal Abd Nasser, Kwame Nkrumah, Julius Nélère, Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta, Fahad Abbas et d'autres leaders africains. Durant cette cérémonie, plusieurs invités, que je remercie vivement, ont accepté de témoigner de cette période cruciale dans l'histoire de l'Afrique et du rôle joué par feu Sa Majesté le Roi Mohamed V pour la libération des pays africains. Je suis fier que mon université porte le nom de ce roi qui a tant donné pour son pays et pour les pays africains. Excellences, Mesdames, Messieurs, le CODESCIA nous offre toute cette semaine un espace de réflexion, d'échange et de partage pour discuter des défis qu'attend notre continent durant ce qu'attend notre continent durant ce 21e siècle. Les défis sont nombreux, tels que l'environnement, les changements climatiques et la gestion des ressources humaines, la sécurité et la paix, la question agraire, la dynamique des populations, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et technologique. C'est ce dernier thème que je souhaite aborder rapidement en votre présence. Tout d'abord, parler de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et notamment de l'université africaine, c'est parler de l'avenir de l'Afrique. Je ne peux pas concevoir le continent se développer sans que son université soit un des moteurs principaux de son développement. Ce rôle prépondérant de l'université dans le progrès d'un pays est de plus en plus reconnu par les gouvernements successifs, quelle que soit leur tendance politique. Il est reconnu aussi par les autres acteurs de la société, en premier les opérateurs économiques, qui demandent à l'université d'être plus proche de leurs préoccupations, essentiellement en termes d'emploi. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'université en Afrique, comme ailleurs à travers le monde, est au cœur de la mondialisation et donc soumise à ses effets. C'est pourquoi il est nécessaire, de notre point de vue, de se construire autour de quatre orientations stratégiques, à savoir la définition d'une vision stratégique conforme aux exigences et normes internationales contemporaines, la promotion et la garantie d'une éthique universitaire fondée sur la rigueur, l'objectivité scientifique, la responsabilisation des différents acteurs et l'adaptation à l'environnement africain. La promotion et le renforcement de la coopération interuniversitaire africaine et le développement d'un cadre légal et réglementaire conforme aux exigences de développement. C'est en suivant ces orientations stratégiques que nous avons conçu la politique de développement de l'Université Mohamed V Suisse, que ce soit au niveau de la formation ou de la recherche.
Cette politique est renforcée par le contrat quadriennal signé avec l'État marocain en 2009. Nous mettons en place, par exemple, des mesures pour le renforcement du dispositif d'orientation des étudiants afin de garantir que chaque étudiant rejoint une filière dans laquelle il a des chances de réussir et d'obtenir un emploi. Nous développons aussi une offre d'enseignement plus adaptée aux besoins du marché de l'emploi en vue de garantir l'employabilité des lauréats. Il s'agit pour nous de développer une offre de formation technique et professionnalisante. Nous veillons aussi à développer pour tous les étudiants de l'université encore plus d'actions visant la promotion des langues étrangères, la sensibilisation à l'entrepreneuriat et l'utilisation des possibilités offertes par les technologies de l'information et de l'apprentissage. La recherche-développement, l'innovation et la valorisation de la recherche sont autant de missions qui incombent à notre université et que nous assumons en allant sur la voie de la qualité et de l'excellence. Pour cela, la recherche scientifique et technique à l'Université Mohamed V Souissi est en continuelle organisation, de manière à gagner toujours en cohérence et en efficacité. L'université concentre une partie importante de son effort de recherche sur quelques grands secteurs particulièrement porteurs d'avenir, notamment la santé, les technologies de l'information et les sciences humaines et sociales. Nous mettons en œuvre actuellement certaines actions pour renforcer l'interface entre l'université et les entreprises pour un meilleur ancrage de la recherche dans le monde économique, l'encouragement de la création d'entreprises au sein de l'université, le soutien accru au centre d'études doctorales, l'émergence de pôles universitaires d'excellence dans les trois domaines que nous venons de citer, et l'appui financier aux structures de recherche productives sur la base de projets pertinents et ayant une valeur ajoutée. En parallèle avec notre politique de recentrage des missions de l'université sur les préoccupations liées au développement, nous travaillons aussi pour positionner l'université comme une université de talent et une université de l'excellence. Une université des talents est une université recherchée par les étudiants qui voudront y étudier, recherchée par les professeurs qui voudront y travailler et recherchée par les lauréats qui voudront y retourner en tant qu'ambassadeurs de leur entreprise. Une université de l'excellence est une université qui est très bonne dans quelques domaines, quelques thématiques, sachant qu'on ne peut pas être bon partout, mais bon quelque part. Excellence, mesdames, messieurs, l'université de demain ne peut réussir que si c'est une université de l'éthique et des porteuses de valeurs qu'elle saura défendre dans un monde en crise, crise économique, crise sociale, crise politique, crise des valeurs. Nous croyons profondément que l'université est le lieu privilégié pour trouver les solutions à beaucoup de problèmes de nos sociétés. Nous croyons aussi que l'université, quelle qu'elle soit, ne pourra pas se développer sans une collaboration de qualité avec un grand nombre de partenaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, du Nord comme le Sud. Voici, Excellences, Mesdames, Messieurs, quelques réflexions vraiment riches. Je souhaite un excellent séjour au Maroc à tous nos invités et très bonne conférence à vous tous. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم
Monsieur le ministre des Affaires générales et économiques, messieurs les ministres des autres pays africains ici présents, monsieur le vice-président de l'Assemblée générale du Sénégal, Excellences, messieurs les ambassadeurs, monsieur le président de l'Université Mohamed V Souissi, monsieur le président du CEDESAIA, monsieur le secrétaire exécutif du CEDESAIA, messieurs les doyens et directeurs des établissements universitaires, distingués et honorables invités, chers participants, chers collègues, mesdames, messieurs. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer tout le plaisir que je ressens en participant à la cérémonie d'ouverture de la 13e Assemblée générale de CEDESAIA portant sur le thème « L'Afrique face aux défis du XXe siècle ». Il est important de signaler que l'Institut des études africaines et l'Université Mohamed V Souissi ont constitué le partenaire marocain officiel de cette grande manifestation qui se tient pour la première fois dans un pays d'Afrique du Nord, le Maroc. En notre qualité de partenaire, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants venus de différents pays et des autres parties du monde en vous souhaitant un séjour très fructueux sur le plan scientifique et humain. Mesdames, Messieurs, ce rendez-vous à Rabat est un événement très symbolique d'une grande importance dans la vie de l'Institut des études africaines et de l'Université Mohamed V Souissi, car l'année 2011 est une année et une anniversaire pour notre institut, car cela fait un peu plus de 20 ans que cet institut a vu le jour. Depuis sa création, notre établissement n'a cessé de s'ouvrir sur les grandes questions que connaît notre continent dans le but de consolider les liens solides qui lient notre pays aux autres pays africains. Progressivement, l'Institut des études africaines s'est transformé en un forum d'idées, d'échanges et de débats sur les grands défis que partage le Maroc avec les autres pays africains. L'accueil de l'Institut des études africaines de cette Assemblée générale et pour la première fois dans un pays d'Afrique du Nord est un grand honneur pour la communauté scientifique marocaine en général et pour notre institution en particulier. L'accueil de cette manifestation scientifique reflète l'importance qu'accorde notre université Mohamed V Souissi à la recherche dans le domaine de sciences sociales et humaines, et particulièrement à la recherche sur les dynamiques politiques, économiques et sociales en Afrique. Je confirme également toute notre fierté à la tenue de cette manifestation de grande envergure. L'EA, dès la fin de la deuxième Assemblée générale au Cameroun, n'a cessé de convaincre les instances exécutives de l'idée de tenir cette Assemblée générale à Rabat au Maroc en insistant sur les potentialités de celui-ci à organiser une manifestation de cette ampleur, mettant à contribution tous ses moyens logistiques, tant humains que matériels, pour faire de cette rencontre une grande réussite, à la fois en termes de présence d'éminentes personnalités scientifiques et politiques, mais aussi une réussite sur le plan du déroulement dans les meilleurs pays. Je rappelle aussi que le 13e anniversaire du CEDESAIA est marqué par la participation pour la première fois de son histoire des contributions en langue arabe, ce qui renforce davantage la position du Maroc en tant que trait d'union entre le continent africain et le Maghreb et le monde arabe en général. Je saisis cette occasion pour vous annoncer un grand projet du CEDESAIA de créer un institut afro-arabe qui sera inauguré au Maroc en février 2012, en partenariat toujours avec l'Institut des études africaines.
Mesdames, Messieurs, l'année 2011 est une année aussi symbolique pour notre pays, le Maroc, et pour le continent africain dans son ensemble. En effet, nous célébrons cette année le 50e anniversaire de la conférence de Casablanca. Cette dernière réunit 5 des grands dirigeants africains, le feu Sa Majesté Mohamed V, dont la contribution à cette conférence était déterminante. Jamal Abdel Nasser pour l'Égypte, Nkrumah pour le Ghana, Sékou Touré pour la Guinée, Modibo Keïta pour le Mali, auquel s'étaient joints d'autres personnalités comme Farhat Abbas pour le gouvernement provisoire de la République algérienne et Alain, ministre des Affaires étrangères libyen. La conférence de Casablanca de janvier 61 reflète aussi l'effort fourni pour le Maroc, pour une Afrique unie, libre et indépendante, et a constitué l'embryon de l'UEA et a été à l'origine des indépendances africaines. La commémoration du 50e anniversaire de la conférence de Casablanca est l'occasion aujourd'hui de rendre hommage au père fondateur de l'UEA, devenu plus tard l'Union africaine, et dont les jalons ont été posés à Casablanca. Cette conférence est aussi l'occasion de mettre en valeur le soutien du Maroc aux différents mouvements d'indépendance et sa contribution à l'indépendance des pays africains, notamment feu Sa Majesté Mohamed V, qui a été à l'origine de la tenue de cet événement historique. Cette conférence confirme l'attachement du Maroc à ses racines africaines. Il a apporté et continue d'apporter depuis de nombreuses décennies sa contribution au développement des pays africains frères à travers ses instances publiques et privées dans divers domaines. Cette volonté a été renforcée durant les 10 dernières années et la nouvelle constitution du Maroc adoptée le 1er juillet 2011 insiste avec force sur la dimension africaine du Maroc et sur l'importance de consolider les relations de coopération avec les peuples et les pays africains. Cette réalité ne s'explique pas uniquement par des raisons politiques et économiques, culturelles et spirituelles, mais aussi par la volonté du Maroc de mettre en place une nouvelle approche de coopération avec le continent africain dans tous les domaines en tant qu'espace vital et stratégique. L'élection du Maroc en tant que membre du Conseil de sécurité va confirmer davantage son attachement à la cause africaine et ouvrir avec force pour assurer la stabilité du continent et asseoir le développement socio-économique des pays africains sur des bases solides. Pour toutes ces raisons, l'Institut des études africaines a fait un effort considérable pour rassembler les archives et la documentation concernant la conférence de Casablanca qu'il présente dans le local de l'école EMI. Et le montage d'un documentaire sur la conférence de Casablanca qu'on va présenter à la fin de cette séance d'ouverture. C'est pour ça que je remercie le directeur du Centre cinématographique marocain et son staff administratif et technique pour leur soutien, mais surtout pour le grand travail de recherche, de montage et d'élaboration d'un document prestigieux sur l'événement de la conférence de Casablanca. Mesdames, Messieurs, cette rencontre scientifique africaine est venue enrichir les débats autour des voies pour emprunter l'Afrique du XXIe siècle afin de faire face aux défis du développement, de démocratisation et de paix. L'Assemblée générale du CODESREA est l'occasion pour rappeler la responsabilité et la nécessité de l'engagement de l'intellectuel
africain afin d'éclairer le chemin d'un futur africain meilleur. Ceci constitue la volonté de l'ensemble de l'élite africaine. C'est notre objectif ensemble, aux Africains du continent, mais aussi ceux de la diaspora. La mutualisation de nos efforts ensemble aura sans doute un impact positif sur la position, le positionnement de l'Afrique sur la scène internationale, sur le plan politique et économique. Je suis sûr que la richesse des contributions, des débats et des échanges durant cette Assemblée apporteront les premiers éléments de réponse et des sources d'inspiration pour les pistes de recherche nouvelles. Enfin, je souhaite la bienvenue à tous les chercheurs africains venus des quatre coins du monde et de remercier l'ensemble des membres du CODESREA pour leur confiance au Maroc et d'avoir accepté d'intégrer la conférence de Casablanca dans la plate scientifique, d'accepter la proposition de l'Institut des études africaines d'intégrer la conférence de Casablanca dans la plateforme scientifique et le programme de cette assemblée. Enfin, je remercie le président de l'Université Mohamed V Sissi, professeur Marat, non pas par sa qualité de président, mais surtout par sa vocation, sa conviction de l'importance de cette activité et sa contribution efficace à la réussite de toutes les étapes de la préparation de cette assemblée. Je remercie également le directeur de l'Institut de l'École Mohamedia des ingénieurs qui a bien voulu mettre à la disposition de cette assemblée les locaux de son établissement. Mes remerciements vont aussi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, notamment la direction Afrique et la direction des affaires consulaires et sociales. Mes remerciements vont aussi au directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume qui a mis à notre disposition les archives et la documentation sur la conférence de Casablanca, sans oublier la direction du livre du ministère de la Culture qui a contribué à l'organisation de l'exposition du livre. Sans oublier à la fin, le comité local d'organisation de cette assemblée, constitué principalement par le personnel administratif de l'Institut des études africaines et plus particulièrement Madame Souhaida Kay, le secrétaire général Ahmed Hamma, Madame Adiba Belkhidra, Tahiri Nada, Khazaz, Aishati, Saïda, Oussama, Rachid, Naïma et autres, et les autres qui ont fait un effort considérable pour réussir cette assemblée. Enfin, je souhaite plein succès à vos travaux et je vous annonce qu'à la fin de cette séance d'ouverture, il y aura une présentation d'un documentaire d'une dizaine de minutes sur la conférence de Casablanca et je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires économiques et de la coopération du Maroc, Monsieur Nizar Barakat, Excellence, Monsieur le ministre Ali Ossebi, ministre de la Recherche scientifique du Congo, Excellence, Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Excellence, Monsieur le représentant du corps.